Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fous renfermé dans cette petite cabane? J'étais chez moi, tranquille, je prenais mon petit déjeuner. Comme à mon habitude, j'ai mis les céréales avant le lait, je mangeais mon pain au chocolat, ou ma chocolatine. Un grand débat interminable, tout ça. Et tout à coup, mon téléphone se mit à sonner. Mais tiens, tout content, tout gaiement, je m'en vais vers l'entrée, et là, paf! Trou noir, mon gars. Je me réveille ici. Je crois bien qu'il y a un psychopathe, un timbré, mon gars, qui m'est tombé sur la gueule, et il m'a renfermé dans cette petite cabane. On a été kidnappés. Je vais devoir m'enfuir de cette maison. Le problème, c'est qu'ils ont placé des caméras de surveillance un peu partout. Tu vas t'ouvrir, oui? C'est tellement glauque, mon gars. Je sais même pas par où commencer. Il faut qu'on reste discret. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. N'hésitez pas à noter cette mise en scène sur 20 dans les commentaires. Oh, une lampe de poche. Yes, nickel. Ok. Vous avez vu la petite fête un petit peu? Hop là, esquive. Je vous mets un petit Minecraft histoire de vous endormir. Une petite berceuse à côté. Et là, paf, mon gars. Un jeu d'horreur. Ah, on est sur un autre level là déjà. Moi, je vous le dis. Hein. Tiens, une porte, une pompe à essence. Putain, il m'a tellement foutu les boules, j'ai cru que c'était un mec derrière. Du calme, Jolate, du calme. Ce sont juste des pompes à essence. Un peu vieilleux, toute poussiéreuse. C'est fermé ici? Une porte? Ok, d'accord. Je sens que je vais tourner en rond pendant longtemps là-dedans, je sais pas pourquoi. Bon, le but, bien entendu, vous l'aurez compris pendant la mise en scène, c'est de m'enfuir d'ici. Je suis enfermé en captivité. Le truc, c'est qu'ils ont foutu des caméras de surveillance un peu partout. Je me suis fait kidnapper par des oufs. Y'a rien par ici? Bonsoir. Je vais peut-être éteindre ma torche, non? Je sais pas. Ça fait un petit peu cramé, quoi. Je me jette. Putain, mon vieux, comment qu'elle s'ouvre les portes là-dedans? Ça fout les boules. Eh, par contre, lâchez un petit like pour le soutien, quand même. Non, parce que je sens que je vais me chier dessus, là-dedans, mon gars. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un par ici? En tout cas, très sympa, cette petite maison. Une porte. Elle est ouverte. D'accord, rien par ici. Donc, le but va être de trouver des objets... Justement pour s'enfuir d'ici. Oh 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 oh. Du café. Regardez, je vous l'ai dit. Ils ont foutu des caméras de surveillance. J'y fais des appels de phare. Alors mon gars, laissez-moi sortir. Je vais pas faire le malin tout à l'heure, il y a un mec qui va arriver mon gars. Il va me fracasser la tête par derrière. Alors pour les gens qui se demandent, on est sur le jeu At Home. C'est un jeu qui vient tout juste de sortir. Un jeu d'horreur indépendant. Et on va monter là-haut. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un? Ici Jolate DX. Je suis chasseur de fantômes. Non, alors là, on parle pas de fantômes, mais on parle vraiment de ouf. De gens qui nous ont kidnappés. Bon, d'accord, ici c'est vide, ok. Peut-être à côté alors. Oh, une guitare. J'en possède personnellement une. D'accord, cette pièce c'est fait. Bon, ouh, ça m'a attiré l'œil comme une pie direct, mon gars. Ça s'est mis à briller. Une clé. Mais la clé de quoi? Là est la question. Bon, écoutez, on a fouillé l'étage. Je pense qu'on va redescendre. Bon. Putain, mon vieux, mais ils peuvent pas nous foutre d'autres musiques dans les jeux d'horreur, quoi. C'est tellement stressant. Mais j'ai pas vu qu'il y avait une grange là-bas. Cette ambiance pesante, quoi. T'entends la balançoire couiner derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? D'accord. Petite craquelure sur la grange. Je me barre de là, mon gars. Putain, mais regardez-moi cette ambiance ultra glauque. Donc là, ça, c'est la petite cabane d'où je viens. Oh, oh, une voiture? Ne serait-ce pas les clés de la bagnole? Mais tu vas démarrer, oui? J'ai bien cru qu'elle allait jamais démarrer. Ok, d'accord. Oh, dead end. Non? Non, non, moi, je veux me barrer. Je peux plus me barrer. D'accord, ok, Bon, ben, je vais peut-être pas aller là-bas, dead end. Je vais plutôt aller par là, tu vois. Putain, j'ai plus ma torche, quoi. Oui? Qui est là? J'ai entendu comme des petits pas. Comme des petits pas de psychopathe. Je cours, mon gars. Oh! Tu te calmes, mon gars! Tu vas te calmer tout de suite. J'ai une idée. Ça collera parfaitement dans le thème. Ah bah là, tout de suite, ça fait moins peur, tu vois. Là, on est bien, là. Voilà. Allez, vas-y, venez, je vous attends, là. Tu vois ce que je veux dire? En fait, un jeu d'horreur, tu peux le rendre tout mignon. Avec n'importe quelle musique. Tant que c'est pas de la musique badante, ça passe. Et je peux vous faire ça avec n'importe quelle autre musique. Hein. Voilà un autre exemple. Eh, franchement, ça fait moins peur. Et je pourrais grave finir le jeu comme ça. Tu vois? En fait, si vous voulez, tous les jeux d'horreur, ils jouent sur... Oh putain, je crois que j'ai fait une connerie. Je me suis fait re-kidnapper. En fait, c'est ça, vous voyez, tous les jeux d'horreur, ça joue sur les sens auditifs. Tout passe par le son. Je vous jure que je vous mets la musique du Roi Lion, là, tout de suite.
vous finissez le jeu les doigts dans le nez. Ça passe crème, mon gars. Ouvrez-moi! Putain. Bonsoir. Qu'est-ce qui c'est? Bah, il y a la bagnole. D'accord. Très bien. Ok. C'est fermé. Est-ce que je peux me barrer? Ah oui, d'accord. Ok, j'ai pas les clés de la bagnole. J'ai pas les clés de la bagnole et cette fois-ci, la porte est fermée ici. Attendez voir, je vais peut-être aller faire un petit tour à la pompe à essence. Mais non, c'est fermé ici. Regardez cette ambiance ultra glauque, quoi. Je kiffe tellement et je déteste à la fois. Ça fout tellement les boules. On va peut-être faire le tour. Il y a peut-être une entrée dérobée, comme par exemple ici. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Bien dérobée, l'entrée. Attendez. Je vais retourner voir déjà s'il y a la lampe de poche. Oh yes, elle est là, regardez. Ok, je l'ai, ça y est. Ah, ah ouais, ok, d'accord. Ah d'accord. Ouais, très bien. Putain mon gars, mais c'est quoi, j'ai trouvé un easter egg ou quoi là? Bonsoir. Salut. Une fourchette. Une porte. Bah écoutez, moi je vais aller repêcher les clés de la bagnole. Hein. Voilà. Très inquiétant. C'est fermé. Me voilà sur le toit de la maison. D'accord, c'est fermé. Alors que... Ok. À coup sûr, c'est les clés de la station essence. J'en suis sûr, mon gars. Bah, tu vas pas me dire que c'est les clés de la bagnole, hein. Faites comme ça. Les clés de la bagnole, elles sont là. Mais c'est fermé. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a par ici? Absolument rien. Écoutez, on va descendre. Vous n'aurez pas ma peau, bande de psychopathes, va. Tiens, j'ai pas été voir ici. Bon, écoutez, on va tout de suite retourner à la pompe à essence. Oh là là. Oh, comment c'est glauque. Alors j'aime bien parce que ça queen, mais ça bouge pas d'un gramme, tu vois. C'est super chaud, quoi. Direction la pompe à essence. Je vous promets qu'on va sortir d'ici. Je vous jure qu'on va s'en sortir. Vas-y, ouvre-moi ça. Yes. Oh, un pied de biche. Ça, ça va me servir. Ok, d'accord. C'est bon, je viens de comprendre. Tout se mélange dans ma tête. Je viens de faire le calcul, là. Je pense que le pied de biche... Oh, putain. Et je suis armé, les mecs, là. Déconnez pas, là. Le premier que je vois passer, j'y fous un coup dans les dents. Ça, ça va me servir à ouvrir la porte en haut pour la clé de la bagnole. Et à mon avis... Même celle-ci. Eh ouais, c'est d'une logique tout ça. Ça me surveille, hein. Oh, des falaises. Très beau décor, j'adore. On sait pas ce qu'on peut trouver derrière cette porte. Sortez de là. Les clés de la bagnole, tout simplement. Qui ne sont pas posées au même endroit. Je les prends. On se casse. Question dans les commentaires. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une telle situation? Question conne. Je pense que non. On sait jamais. Va savoir. Mais que feriez-vous si vous étiez dans une telle situation? Question très intéressante. Ok. On a les clés de la bagnole. Donne-moi les clés de la bagnole, mon gars. Allez, démarre. Démarre. Tu vas démarrer, oui? Non, je sais pas, il y a plus d'essence, il y a un truc qui va pas. Ou alors j'essaie de la démarrer avec les clés de la grange, j'en sais rien. Ah! Oh putain, ça y est. Non! Ah ouais, putain, mais c'est moi qui conduis! Enfin, j'y conduis pendant 2 secondes, quoi. Ah là. Attends, c'est moi qui conduis ou pas? Ah non, là c'est plus moi. Par contre, avant, je vous jure, c'était moi. Non, non, la vérité, c'était vraiment moi qui conduisais. Je tournais la voiture et tout. Là, c'est pas moi. Mais quelle est cette cinématique des enfers, mon gars? Mais il va nous rentrer dedans, lui, il est malade! Bah voilà qui est fait. Non, mais c'était sûr, fallait s'y attendre, de toute façon, je veux dire. Écoutez. Il y a des bruits bizarres. Mais dis-moi pas que je me suis fait re-re-re-re-re-kidnapper! C'est pas vrai, quoi! Ouvrez-moi! Ah! D'accord. À mon avis, ça doit être normal, hein. C'est tout scénarisé, hein. Ça doit être normal qu'on se fasse rechoper à chaque fois. Voilà, ça a été plus vite que prévu. Je suis à peine sorti du cabanon, un coup sur la tête. Crac, on n'en parle plus. Oh! Oh! Mais c'est étrange parce que c'est comme ça que le jeu a commencé. Je vous... What? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai...
C'est comme ça que le jeu a commencé. J'étais chez moi en train de manger mes céréales, tranquille. Et d'un coup, comme je vous disais au début, le téléphone a sonné. Et trou noir. What? Mais c'est... C'est normal que l'écran est tout bleu? Ah d'accord. Y a pas beaucoup de lumière là-dedans, mon gars. C'est vachement bleuté, hein. Mais c'est quoi ces flashbacks? Oh. Oh. Je vous jure, c'est exactement comme ça que ça a commencé. Voilà. Le téléphone a sonné. Ah non, mais j'y retourne pas. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois, gros. On t'a fait le coup une fois. Tu vas quand même pas y retourner, non? Je vous jure, la vérité, ça... Ça a commencé comme ça. Voilà. Ça a commencé comme ça. Y a le téléphone qui a sonné. Et là, il va me tomber sur la gueule. Ouais,